Bonjour, vous vous apprêtez à voir le let's play d'une mamie. Il fait bientôt 25 degrés et les fenêtres sont grandes ouvertes. Mais moi, j'ai ma petite laine sur les genoux parce que j'ai froid. Alors, normalement, tout le monde connaît déjà Life is Strange. À moins que vous soyez un peu comme moi et que vous ayez échappé miraculeusement aux extraits. J'avais une amie qui me harcelait beaucoup, beaucoup sur ce jeu et maintenant je comprends pourquoi. Un jeu narratif, ce qui fait qu'on a des choix à faire durant la partie, ce qui va. Évidemment influencé sur l'histoire et sur la suite des événements, et que nous suivons l'aventure de Max, une jeune photographe amatrice qui va vivre quelque chose visiblement d'assez intense, d'assez fulgurant. Bon, et bien c'est parti pour cette belle aventure. Allons-y! Ah, y a ma pie. Donc du coup pour le début, en tout cas de l'histoire, je vais éviter de trop parler durant les cinématiques et puis après on verra. On y va au feeling. Soyons naturels. Trop naturel. Voilà, c'est à moi. C'est fou parce qu'au moment où le vent arrive dans le jeu, il y a une bourrasque. Une bourrasque, hein, que dis-je, une tempête qui traverse mon salon. Du coup, j'ai encore plus froid. Ma amie Olive. On peut déjà commencer à admirer. Oula! J'ai commencé à admirer cette tempête, hein, parce que c'est clairement une tempête. Alors, juste pour voir. Arcadia Bay. Ville qui est juste là. Non, non, ça c'est un trou. Avance, courageusement. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Je suis en admiration totale. Holy shit! Ouais, tu peux le dire. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Cours, va te mettre à l'abri. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. Alors je suis désolée pour le coup de klaxon, je sais pas si vous allez l'entendre ou pas. Mais les bleus ont gagné hier soir, au cas où vous n'avez pas vu cette information très confidentielle. Et visiblement les gens sont encore contents. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Alors comme je vous l'avais dit, Max est une jeune artiste. Elle veut devenir photographe professionnelle et donc elle n'a pas du tout confiance en elle. D'autres me disent chut. Donc voici Max. Maxine, pour les intimes, pas Maxime, comme j'ai tendance à l'appeler. Elle est au lycée, elle est en classe et personne n'écrit. C'est normal? Ah si, là, la fille en rose, elle est bon. Alors, on a vu la photo, le journal. If anybody else looked at this, what would they think? Donc comme vous pouvez le voir, Max écrit beaucoup beaucoup. Je pourrais mettre pause, mais je vais pas tout lire parce que j'ai déjà lu. Mais je vais rapidement vous résumer. En gros, Max habitait déjà à Arcadia Bay quand elle était petite. Elle a déménagé
adolescente avec ses parents et elle est revenue à l'académie Blackwell, que j'ai pris pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs heures au début pour la fac, mais en fait non, c'est un lycée. Et elle est assez réservée, comme vous avez pu le voir. Elle est très introvertie et très très timide. Elle a pas du tout confiance en elle. Du coup, elle a pratiquement pas d'amis. Si, les personnages, en tout cas, c'est les premiers qu'on rencontre. On a Max qui est là. Kate, c'est la jeune fille qui est toute mignonne, que j'appelle personnellement le petit lapin. Jefferson, c'est le prof. C'est un prof réputé dans la photographie. Et Max est totalement fan de lui. Et Victoria, c'est la petite peste. En gros, qui fait partie du club de riches et de populaires du lycée. Et là, on a les SMS. Voilà, donc on a peu de monde. Mais on a les meilleurs, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Me too. Un peu de discrétion, après tout. C'est pas comme si t'étais juste devant le prof. I believe Max has taken what the kids call a selfie. A dumb word. Déjà, c'est un miracle que t'aies réussi à faire une sieste juste devant lui. As a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Ça me rappelle mes années de lycée. I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. On n'était pas des artistes, on était des élèves suivant le cours d'art, voilà, c'est plutôt ça. Want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Je sais, j'ai étudié, je peux répondre à sa place. T'es gare au type, laissez-moi répondre. Alors, premier choix. Alors, on a moi, du coup, ça fait vraiment fille qui vient de descendre de son arbre, et je le savais. Allez, je le savais. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes. Ah, bah, je l'avais dit. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The daguerrean process brought out fine details. Je l'avais dit, c'est une petite peste, cette fille. Making them online. Voilà, je l'avais dit. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max. On vient pas d'apercevoir un tour de magie là, parce que la fille en rose, c'était la seule qui écrivait. Elle s'est penchée pour ramasser quelque chose, mais elle est partie avec rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a oublié ses affaires? Yes. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Tu peux pas te pencher, Max? Mets-toi 4 pattes, Max. Fouille dans les poubelles, Max. Ça, c'est les affaires de Victoria, qui visiblement était assise dessus, pour le coup, parce que elle a rien fait, mais elle a tout. Voilà, c'est... Fuck la logique. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Tout le monde à Paris. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Ouh, le prix. Ouh là là, j'ai mal. Ouh, j'ai mal. Oh, mon petit lapin. Ah oui, alors Kate. La première partie où je me suis arrêtée, j'avais appris un peu plus sur Kate. Mais je sais pas pourquoi, j'ai un très mauvais pressentiment pour elle. Hi Kate. Oh. Hi Max. You seem quiet today. Just thinking too much. Ouais, c'est ça. Vas-y, rassure-la. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Ouais. Sure. T'as surtout la tête de la fille qui est en train de déprimer. Regardez-moi cette position. Ce n'est pas la position d'une élève en retard sur ses devoirs, ça. C'est la position d'une fille qui a des problèmes importants. Des problèmes comme cette boule de papier. Allons voir ça. Now I wish I wouldn't have read this. Ah ouais. Purge. Ouais. Alors pour les non-anglophones comme moi, hein, parce que je fais genre, mais en fait, je suis nul en anglais. Ouais. Film porno, vidéo virale qui tourne sur le net. Ouais. C'est pas très... Pas très très... Pas...
Pas très encourageant, voilà, excusez-moi, je regardais le beau temps derrière, cette fenêtre, il fait très très beau, pas de tornade à l'horizon, c'est parfait. Bref. Alors... Ah, oui, c'est vrai. This might make a cool shot. Oui, d'accord. Rachel Amber. Alors, Rachel Amber, retenez bien ce nom, parce qu'il va très souvent revenir dans les conversations ou dans le décor. Et je suis désolée pour les travaux qu'il y a dehors, mais là, c'est indépendant de ma volonté, à part aller faire... un cirque chez les voisins, je vois pas trop ce que je pourrais faire. Donc c'est un jeu où en fait on a le temps de prendre son temps et de tout regarder. Et il y a plein d'informations comme ça qu'on peut grappiller en fouillant un peu, ce que j'aime beaucoup parce que j'adore fouiller. Et la première fois que j'ai joué, j'ai raté plein de trucs parce que j'étais stressée, j'avais l'impression que justement je n'avais pas le temps de prendre le temps. Du coup, j'en profite un peu. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Alors de mémoire, Jefferson, je sais que c'est un photographe assez réputé, mais je crois qu'il est plus que réputé, hein. Je crois qu'il est vraiment connu. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Nous sommes heureux d'être en classe. Alors ça, c'est un truc qui m'avait pas mal interloqué la première fois que je l'ai vu. À part la jeune fille qui est au milieu avec ses cheveux violets là, qui sont trop bien. Ils sont tous assez sages au niveau look. Pour avoir été dans une classe d'artistes, d'adolescents artistes, ils avaient tous, puis moi inclus, hein, je sais pas pourquoi je dis ils, on avait tous un look un peu développé quoi. Alors des fois ça nous allait, des fois ça nous allait pas, hein, n'est-ce pas moi-même. Mais là, à part Victoria qui est franchement bah, bien habillée parce que. Elle peut se le permettre, et puis la jeune fille un peu rock, bah on est tous très sages. Même Max, regardez. Voilà. Max est sage. Max est classique. Voilà. Et puis, bon, bah Kate, connaissant sa famille, Kate a un petit côté mormon, on va dire. Bon, alors, la dernière fois, je me suis fait enguirlander parce que j'ai voulu partir. Discretos, donc on va y aller direct. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. Oui, voilà. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Alors je suis obligée ou j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, ça fait vraiment... je prends le truc au-dessus de la jambe. Et je suis obligée, ça fait vraiment l'artiste qui est pas sûr d'elle. Donc on va rester là-dessus. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag that you're some old dude lecture you. But life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, c'est quoi un prof qui t'encourage comme ça? La confiance en tes capacités. That's what separates the artist from the amateur. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. C'est le côté fan. Oh, c'est pas vrai, je vais fermer la fenêtre, hein, c'est pas possible. Tout every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Ah, c'est pas qu'une impression. De toute façon, son visage, elle a un visage de méchante. Il y a des gens comme ça qui ont un visage de bad character. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. You can never escape the lighthouse here. Le phare du rêve. Donc ce n'était pas qu'un rêve. Le lieu existait vraiment, donc il n'y avait pas de tornade, hein, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde va bien. Mais. Wow, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for it. Oh la vache! Oh, tous ces dollars! Oh, trop de chiffres! Recule! Recule! C'est trop précieux! Tu vas le casser rien qu'en le regardant! Ce qui est bien dans ce genre de jeu, c'est qu'on est vraiment
une sorte de jeu, hein, apprends à articuler, Olivia. C'est qu'on est vraiment pile devant eux, mais ils s'en foutent. À la limite, ils pourraient révéler un secret national, on écouterait. Ils n'en ont rien à carrer. C'est bien. Non, mais t'es obligé de te pencher comme ça. Oh là là là. Mais tu vois bien qu'ils s'intéressent pas à toi. T'es trop jeune, ma fille. Oh. Oh, ces petites jeunettes. J'ai vraiment vieille croulante quand je parle comme ça. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You are. Welcome to the real world. Déjà. Oula, il est engueulade. Ah oui, toi. Toi, je suis dans le collimateur. On s'y croirait. He plays it so sharp. I need a serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Mais non. I hate that class, it's so fucking boring. Par contre, cette pose n'est pas du tout naturelle. C'est ça. Voilà. Fais la discrète avec la musique. On a tous connu cette période. La fameuse période de « je n'ai pas confiance en moi et je n'ai pas envie de parler aux gens ». Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un petit film en fait. Il y a des titres, il y a de la musique. Ah, voilà, je suis très frustrée avec cette porte parce que tout le monde arrive par cette porte, mais moi je peux pas y aller. Regardez, je peux pas. Je traverse même plus là, je suis bloquée. Bref, on a des gens à rencontrer. Bon, je vais pas faire tout le monde non plus parce que il y a des gens qui sont plus ou moins intéressants. Voilà, ça c'est la roqueuse, celle qui a un vrai look. Et ça va être son copain ou son pote, mais c'est une drôle de relation. Ils se regardent pas, ils ne se parlent pas, ils sont sur leur téléphone, d'accord. Est-ce qu'on peut apprendre des choses sur eux? Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Là, si, elle est avec quelqu'un. Bon, pas mentalement, mais elle est avec quelqu'un. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Bah oui, mais alors, ça m'étonne parce que lui, il était pas en classe. Donc il est photographe? Il est peut-être plus âgé. Je sais pas, c'est bizarre. Ah, mon casier. I love that picture of mom and dad. Hello Jack, kiss kiss. Andy, you look totally fabulous as usual. Deuxième frustration, je peux pas regarder à l'intérieur du casier. Ah, ça c'est la fille qui prend des notes. Ah bah elle a récupéré ses affaires. Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to mess around. Ah voilà, là, elle, tu vois, elle a de l'avenir. Prends soin de la graine. Va dormir en classe. That's Dana talking to. I think his name is Justin. Ah oui, Dana, ouais. Ouais. Je sais que j'ai raté des trucs sur elle la première fois. Parce que visiblement, j'ai raté trop de trucs, puisque à la fin de chaque épisode, en fait, on a un résumé de nos choix et de ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Et j'avais pas fait beaucoup de choses, notamment sur elle, en fait. Il y a des trucs à apprendre, mais bon, je vais essayer de me rattraper. Mais en tout cas, elle me donne toujours aussi froid. Hein. J'ai rien contre la tenue, mais tu me donnes froid. Comment tu fais? On est en octobre. Regarde, ils ont tous des pulls. Et toi, là, comment tu fais? Dana is on my floor too. She's such an archetypal gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. I shouldn't be so catty. Regardez-moi, c'est trop Dana is nice to me. Je suis froid pour toi, ma fille. Mets-moi une petite laine. Ah oui, elle, je crois qu'elle est à fond sur Warren. I've seen Brooke hanging out with Warren. Voilà, c'est ça. She seems like his type. Je savais jamais laquelle c'était entre Stella et elle. Oui, je crois que c'est elle aussi. Elle a un petit côté geek. D'ailleurs, elle est en train de jouer, là, c'est ça? Tu joues à quoi? Je veux voir. Je veux voir à quoi tu joues. Je peux regarder. Tu peux laisser un commentaire. Oh mais arrêtez de la bousculer la pauvre Max. Oh c'est pas vrai. Oh, ah j'avais pas vu mes dodos aussi. Mais c'est pas possible. Mais c'est comme ça qu'on attrape une angine mademoiselle. Et on se retrouve avec le superbe dos de Dana. Excusez-moi mais j'ai voulu régler le son de mon micro parce que j'avais vraiment l'impression qu'on m'entend pas. Donc on était avec le pauvre Daniel. Qui se fait bien embêter et malheureusement je crois qu'on peut rien faire. Donc bon, bah, je vais passer à côté, bien malgré moi. C'est vrai que j'aime pas ce genre d'ambiance.
Parlons d'Halloween qui ne va pas tarder, je crois, et parlons de l'automne qui, étrangement, est une des saisons préférées des gens. Je comprends pourquoi, parce que c'est assez joli comme saison, mais pourquoi tout le monde la bouscule ? Le karma lui en veut, hein, cette fille. Ouais, donc je disais, l'automne, c'est la saison préférée de beaucoup de monde, et comme j'ai pas de saison préférée, moi je me sens un peu alone. Ah, voilà. Voilà, donc comme je vous disais, le tag avec Rachel Amber, c'est elle Rachel Amber, donc retenez bien ce visage, ce nom, et toutes les infos qu'on peut garder. Elle a disparu depuis le 22 avril, donc ça fait un petit moment puisqu'on est en octobre. Il y a pas mal de choses qu'on va devoir apprendre sur cette fille, puisque apparemment j'ai raté pas mal de choses dessus. Voilà, il y a sans doute des informations qu'on peut récolter au gré des élèves. Don't need a PC. Missed the Poetry Jam tryouts, and I did not steal that backpack. Ah bon, je vais pas tout regarder parce qu'il y a beaucoup d'affiches, mais il y a des informations à prendre un peu partout. Et... ah oui, ça je m'en souviens. Oui, l'histoire des chats. Faites pause si vous avez le temps, mais je vais vous le résumer assez rapidement. Il y a quelqu'un à qui on a volé la tablette, et dans cette tablette il y avait des photos de chats. Des chats malheureusement décédés, mais la personne en fait, après avoir insulté le voleur, lui demande de lui rendre la tablette parce qu'elle veut récupérer les photos. Et je crois que le voleur répond, je sais plus où, honnêtement je sais plus si c'est au lycée ou sur le campus, mais je sais qu'à un moment il y a un message où il soit un peu de sa gueule, et excusez-moi mon téléphone vient de sonner. Visiblement j'ai quand même des gens qui pensent à moi de temps en temps. Ça me dit quelque chose. Ça me dit... oui ! Oh oui ! Oh, c'est trop bien ! Bon, oui, Max parle beaucoup, oui, c'est vrai. Mais regardez la dernière ligne. Tablette à vendre, photo de chat. Je savais que je l'avais vu quelque part. Ah, alors lui, bon, on va pas lui parler parce qu'il a l'air occupé, mais... lui, c'est Samuel, si je me souviens bien. Et j'aime beaucoup Samuel. Il a une manière de parler assez bizarre. Et surtout une manière de penser qui est propre à lui, on va dire, mais vous verrez ça plus tard. Ah oui, donc les avis de recherche sur Rachel sont assez nombreux, si vous regardez bien, il y en a un peu partout. Bon, alors, elle voulait aller aux toilettes, alors on va y aller. Voilà, toilettes, nickel. J'adore cette musique. J'adore cette musique, mais merci, parce que... à force... I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Il y a pas mal de moments où Max philosophe un peu sur sa vie. C'est très intéressant. Et c'est très reposant. Mais on va pas tous les passer parce que sinon on y est pour des heures. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. Ah, j'aime pas ça. Détruire une œuvre d'art. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. C'est ça, rachète-toi. De ce que tu viens de détruire. Assassin. J'adore son appareil. Ça existait encore quand j'étais petite. Je suis pas si vieille que ça, mais... mais c'est revenu à la mode, c'est bien. T'es dans les toilettes des filles, mec. Tire-toi. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Non, ça va pas. T'es dans les toilettes des filles. You own this school. If I wanted, I could blow it up. Oh, j'aime You're pas the ça. Boss. Non. Non, t'es juste un ado. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, sex, drug, and rock and roll. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Moi qui parlais de look man, classique. I see the headlines now. Elle a un look bien marqué. Out of this bitch.
I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where did you get that? What are you doing? Ça s'emballe, ça s'emballe tout, ça s'emballe trop là. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even discuter calmement. Get that gun away from me, psycho! No! Oh, j'ai mal pour toi, petite demoiselle. Oh, j'ai mal. Oh, ça c'est ce qu'on appelle une journée merde. Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. Oh, elle pleure. I held up my hand. J'avais pas vu ça. And then I was back here. En même temps, voir quelqu'un se faire tirer dessus. I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real.